Chapelet spécial de Notre-Dame des Sept Douleurs, avec méditation longue. Il existe plusieurs versions du chapelet spécial de Notre-Dame des Sept Douleurs. Fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, le 15 septembre. Méditation par Françoise Brennert du site mariereine.com. Très chers priants, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de prière de ma chaîne Coccinelle de Dieu. Chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, je vous offre ce chapelet en l'honneur des sept douleurs principales de Marie, pour votre plus grande gloire, pour ma conversion et la conversion ou l'adhésion parfaite de tous les hommes de la terre. À votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre salut et notre unique voie pour aller en vous avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Première douleur. La prophétie de Siméon. Le vieillard Siméon annonce à Marie que son fils sera en butte à la contradiction. Luc 2, 34-35. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël.
Il doit être un signe en butte à la contradiction. Et, toi-même, une épée te transpercera l'âme. Afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Douleur. Jésus sera contrarié. Et cela est annoncé dans le temple de Jérusalem, au centre du pays, au cœur de la vie religieuse du peuple juif. La Vierge Marie souffre en tant que fille de Sion, en tant que mère du prince de la paix universelle. Et, comme l'a dit aussi Siméon, un glaive traverse le cœur de Marie. Ce glaive signifie d'abord la parole de Dieu. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Ainsi parle Yahvé, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée, au nid de la nation. Isaïe 49, 6, 7. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur,
que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Deuxième douleur. Le massacre à Bethléem et la fuite en Égypte, la souffrance de l'exil. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Matthieu 2, 13. Douleur de la mort des innocents, douleur de l'injustice, douleur d'être mêlé à l'injustice puisque l'élément déclencheur de la fureur du tyran a été la naissance de Jésus. Douleur d'être impuissant et de devoir fuir pour protéger Jésus. La souffrance de l'exil en Égypte est d'un autre genre. C'est le fait d'être appauvri, étranger, citoyen de seconde zone et de ne pas pouvoir pratiquer certains rites religieux. Le glaive, la parole de Dieu, a traversé le cœur de Marie. Dieu est innocent de l'injustice d'Hérode. Avec quelle intensité Marie aura-t-elle prié, par exemple, ce psaume ? Es-tu l'alliée d'un tribunal de perdition, érigeant en loi le désordre ? On s'attaque à la vie du juste, et le sang innocent, on le condamne. Mais Yahvé est pour moi une citadelle, et mon Dieu, le rocher de mon refuge. Psaume 94, 20-22. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Troisième douleur. La disparition de Jésus à 12 ans. Luc 2, 41-52. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons, angoissés !» Luc 2, 48. Douleur de l'absence inexpliquée de Jésus et l'angoisse à son sujet. Ce qui peut être aussi douloureux pour Marie en tant qu'épouse, c'est de voir la douleur de Joseph. Leur douleur peut avoir été augmentée par certaines réactions de l'entourage, critiquant par exemple leur manque de surveillance. Et finalement, ce qui est douloureux, c'est de ne pas comprendre la réaction de Jésus au moment des retrouvailles. Le glaive, la parole de Dieu, a traversé le cœur de Marie. Par exemple, Job 13, 22, 24. Dis-moi, quelle a été ma transgression, mon péché? Pourquoi caches-tu ta face et me considères-tu comme ton ennemi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Quatrième douleur. Marie voit son Fils chargé de la croix. Luc 23, 27. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et le requirent pour porter sa croix. Matthieu 27, 31, 32. Douleur morale de voir Jésus condamné, exclu, abandonné de ceux qu'il a instruits et guéris. Douleur spirituelle de voir Jésus tomber. Le glaive, la parole de Dieu, a traversé le cœur de Marie. Je suis devenue la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour. Il m'a saturée d'amertume, il m'a enivrée d'absinthe. Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. Les faveurs de Yahvé ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Lamentations 3, 14, 15 et 21, 22. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Cinquième douleur. Marie, debout, au pied de la croix. Jean 19, 25-27. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jean 19, 25. Douleur physique d'une mère qui voit souffrir le fils de ses entrailles, le fils de sa chair. L'évangéliste Matthieu transmet ce long cri de Jésus dans les termes du psaume 22, 1. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le signe de contradiction va jusqu'à être contrarié dans le désir de sentir le soutien de Dieu. La mère de Jésus se laisse transpercer par la parole biblique, véritable épée à deux tranchants. Et peut-être a-t-elle prié la suite du psaume 22 ? Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Yahvé, ne sois pas loin, ô ma force. Vite, à mon aide. Psaume 22, 18, 20. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Sixième douleur. Marie reçoit le corps inanimé de son fils. Jean 19, 38, 40. Dieu n'a pas fait descendre Jésus de la croix. Jésus a connu véritablement notre mort humaine. Marie en partage toute la douleur. Et puisqu'elle survit à son fils, elle souffre ensuite, seule, sans son fils. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Isaïe 53, 4, 5. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Septième douleur. Marie au tombeau de Jésus. Jean 19, 41-42. Douleur du deuil. Douleur des ténèbres qui, désormais, recouvre la terre puisque Dieu en a été chassé. Là encore, la parole de Dieu est vivante. Reviens, Yahvé, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Psaume 90, 13. Épilogue. La lumière des nations, la mission. Si nous méditons la douleur, c'est parce qu'elle est le lieu de la rédemption. La mort de Jésus est suivie par sa résurrection et sa seigneurie sur l'univers. Jésus est alors annoncé et reçu dans le monde entier. La prophétie de Siméon annonçait non seulement que Jésus serait un signe en butte à la contradiction, mais qu'il serait aussi la lumière des nations. Luc 2, 32. Il en sera de même pour Paul et Barnabé, contredit dans la synagogue d'Antioche.
leur destin accompagne celui du Christ. Le rejet va les conduire à la décision de se tourner vers les nations. Selon les mots de Paul, cette décision est même un ordre divin. « Je t'ai établi, lumière des nations, pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. » Actes 13, 47. Citation de Isaïe 49, 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Prière finale. Stabat Mater. La mère des douleurs se tenait debout. Debout, la mère des douleurs, près de la croix, était en larmes.
quand son fils pendait au bois. Alors, son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive transperça. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils de Dieu. Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. Quel homme sans verser de pleurs verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice? Qui pourrait, dans l'indifférence, contempler en cette souffrance la mère auprès de son fils? Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous les fouets meurtris. Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné, et soudain rendre l'esprit. Ô mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi. Fais que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur, mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Mère sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement. Pour moi, ton Fils voulut mourir. Aussi, donne-moi de souffrir une part de ses tourments. Donne-moi de pleurer en toute vérité, comme toi, près du crucifié, tant que je vivrai. Je désire auprès de la croix me tenir debout avec toi, dans ta plainte et ta souffrance. Vierge des vierges, toute pure, ne sois pas envers moi trop dure, fais que je pleure avec toi. Du Christ, fais-moi porter la mort, revivre le douloureux sort et les plaies au fond de moi. Fais que ses propres plaies me blessent, que la croix me donne l'ivresse du sang versé par ton Fils. Je crains les flammes éternelles. Ô Vierge, assure ma tutelle à l'heure de la justice. Ô Christ, à l'heure de partir, puisse ta mère me conduire à la palme des vainqueurs. À l'heure où mon corps va mourir, à mon âme fais obtenir la gloire du paradis. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.